Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sera un vlog pour mon deuxième concours externe. Donc j'en profite que je sois dans la cave pour vous parler fort on va dire, parce que du coup je suis en appartement. Donc là en fait on est dans ma cave, et dans ma cave en fait j'avais prévu de faire une salerie, donc on est dans ma salerie en gros. Je vais vous filmer peut-être les aménagements de ma salerie, puis la présentation de ma salerie parce que Maïs est d'accord et tout. Donc voilà, je vais peut-être vous filmer ça d'ailleurs. Peut-être que Maïs va pouvoir le faire, je sais pas. On en reparlera. Donc du coup là il est... Non je peux pas voir l'heure d'ici. Donc oui, donc je suis vraiment désolée pour ma gueule. Hein. Il est 6h. Il est 7h on va dire. Voilà, il est 7h. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc il est 7h. Du coup là je suis toute prête. Donc j'ai mon... Je vais crever de chaud mais c'est pas grave. Donc là j'ai mis des... sur planche. Super. Mais bon voilà quoi. Mon jogging par-dessus mon pantalon blanc et une polaire par-dessus mon polo. Oui parce que du coup je pense que je vais monter en polo et pas en veste parce que qu'il va faire chaud. Voilà. Je sais c'était une gueule dégueulasse mais bon. Donc du coup je vais vous présenter un peu tout ça. Donc je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai amené. Donc du coup, là attendez. Voilà. Donc là, toutes mes affaires que j'emmène sont par terre. Et toutes les affaires que j'emmène pas bah, sont stockées là. Voilà. Voilà. Donc oui, je sais, il y a un réfrigérateur. Voilà. Super. Donc du coup, il faudrait un petit peu que je me dépêche parce que du coup, il faut que je prépare tout, même si j'avais déjà tout préparé à l'avance. Bref, du coup, là... Ah, attendez, parce que... Voilà. Donc là, il y a la truc de mon appareil photo. Super intéressant. Mon tapis de dressage, donc bleu, enfin marron et bleu. Et mon amortisseur. Donc là, il y a ma mallette. Désolée, il y a ça qui traîne. Il y a ma mallette. Donc aujourd'hui, je prends ma mallette plus mon sac. Parce que voilà. Oui, parce que normalement, je prends que mon sac en cours. Donc là, il y a ma casquette. Donc là, il y a que des trucs que je vends, ou un truc comme ça. Donc je marchande pas par internet. Hein. Donc voilà, puis là il y a tout ce que il y a tous les trucs de poney, voilà, donc il y a mes guêtres, un filet que je vous présenterai après, j'aimerais tout. Bref, on n'est pas là pour discuter de présentation. Donc du coup, là il y a tout ce que j'emmène. Donc non, j'emmène pas les deux sauvages de CP. Hein. C'était pour faire la place parce qu'en fait hier, donc je vous explique, hier j'ai. Désolée, je crois que j'ai un petit peu la voix cassée. Hier, j'ai graissé mon filet, j'ai nettoyé mon mort et mes guêtres. Donc voilà, hier, j'ai tout nettoyé. Du coup, là, il y a mon amortisseur donc de seau noir, mon tapis rouge donc de seau. Donc, mon Kaiser. Hein. Je vais vous informer un petit peu après si j'ai le temps. Sinon, bah tant pis. Donc là, je garde ça ouais, ici. Là il y a mon filet. J'essaie de pas trop bouger hein. Voilà. Voilà. J'emmène ça comme cravache. J'ai emmené mes étriers mais à mon avis je pense que j'aurai pas le temps de les mettre. Mes trucs, ma bombe. Donc voilà, donc je vous informe de tout ça après, je fais mon sac et je vous reprends juste après. Donc voilà, donc là j'ai tout rangé. Donc ici j'ai apporté mon seau que j'ai gagné. J'ai mis mon licol et mes produits de soins. Ouais, donc là j'ai aussi mis des produits de soins parce que tout simplement ça rentre pas, c'est-à-dire ma graisse et tout. Donc là voilà, il y a tout. Et donc là il y a ma graisse. Donc voilà, il y a plein de trucs. Il y a donc ce que je prends d'habitude. Donc voilà. Deux bouchons, une brosse douce, deux magic brush, un truc de crinière, enfin une brosse à crinière, un truc de massage, une brosse de massage, mon curbier, mon éponge. Et mes deux petites brosses pour tête et pour pieds. Voilà. De ce côté, il y a ma bombe. Donc là, il y a tout ce qui est matériel, c'est-à-dire ma cravache, mon filet, mon amortisseur, mon tapis. Là, il y a des friandises, mes étriers. Ici, il y a mes guêtres et mon bonnet. Ouais. Et là, il y a à manger et ma veste.
Donc là, du coup, on va partir. Il est 7h08, on va partir parce qu'il faut être à 7h45 aux écuries. Et moi, il me faut 30 minutes pour y aller. Voilà. On se retrouve juste après. Bisous. Kaiser. On reconnaît. Ah, c'est ça. Vous savez, elle est un peu en pente. Mais ça va, c'est bien. Ça, t'as le manège ici. Tiens, mais tu vois que c'est ici. Ah, c'est trop bien, j'aime trop le. On va passer par les écuries si tu veux. Ouais. Donc là t'as les écuries ici. Donc là c'est majoritairement propriétaire et t'as les écuries ici. Ouais. T'as les toilettes ici si tu veux. Très intéressant. Oh, c'est trop chou. Ouais, ils sont trop mignons. Et là c'est les écuries propriétaires et t'as aussi 2-3 chevaux de club. Ok. Là c'est la douche. Bonjour. Au revoir, Didou. Donc là, on retourne à la carrière. La sonnerie s'impose. Je frappe le 2 et qu'est-ce qu'il y a ? Allez ! Je pense que si t'arrives sur le mauvais pied. Allez, avance un peu le suite. Allez, 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 allez. Allez. Oh. Le bleu, ouais, ça me fait bien. Il est pas trop heureux. Ouais, mais t'inquiète, Kaiser, il fait rien. Il a peur de rien. Allez! Ouais. Allez, Lulu! Ah ouais, super. Ah, t'as vu l'option là? En plus elle est facile à avoir. T'arrives là. Non mais Paul, on dirait que c'est le seul à penser aux options. Allez, allez. Ouais, super. En fait, là, on fait que des allers-retours. Yeah.
et tout c'est pour la 3D. Putain, elle me saoule, pour leur faire grimper le niveau et après les vendre. D'accord. Ah oui. C'est vraiment la valorisation. Oui, c'est bien ça. Ok, d'accord. Il y a plus d'obstacles ? Non ? Ça sera pas fini, Lilou, à 18h. Deux heures de délégation. Vu l'année, on a donné une feuille, ils nous disent genre le 17 mars, vous avez compris. On peut pas le faire durant. Perfect. Manger. Oh non, mais. Putain, ça me saoule. Bon, on va manger là. Je vais poser mon truc. On se retrouve après. On est là.
Vincent Lefebvre, donc pour Léo, on est sur 4 points, 32 secondes, 44. Regardez-moi ce coup de soleil. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Donc, me revoilà. Donc, comme je vous ai vu, j'ai attrapé des coups de soleil. Ah. Oh mon dieu. Ça apparaît plus rouge sur la vidéo. Mais genre carrément plus rouge. C'est pas comme ça normalement. Quoique. Donc voilà, donc aux deux bras. C'est super, on adore. Donc, du coup, là, me revoici dans la cave. Voilà, donc là, je vais machiner toutes mes affaires. Donc, le débriefing, on va dire. Puis, je vais pas trop... je vais faire vite, je veux dire, parce que... Il est 20h25. Voilà. Donc, normalement, je mange à 20h. Et il est 20h25. Donc, je rends du cheval super heure, hein. Donc, du coup, voilà, on est parti du coup du club vers 19h30, ou 20h, ouais, vers 19h30, 20h, du cheval. Et du coup, petit débriefing de ce que j'ai pensé de mon tour. Alors, du coup, je crois qu'en début de la vidéo, je vous avais pas parlé, mais bon, sinon, bah, je couperai, ou je ferai, ou je sais pas. Donc, du coup, vous savez que normalement, je prends Kaiser en club 3. Mais vu que c'est le dernier de la saison donc de concours et que bah voilà c'est mon dernier concours et puis que j'avais fait plein, on va dire plein de concours, enfin ouais, assez de concours avec lui en club 3, on a fini l'année sur une club 2. Donc voilà, donc il y en a beaucoup qui avaient fait club 3 avant et qui sont retournés du coup en club 2. Du coup l'année prochaine, je pense que je vais faire club 2. Donc voilà. Ouais. Du coup voilà, donc mon prof m'a dit que je pouvais faire club 2, donc je suis trop contente. Du coup voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu, enfin que j'avais écrit club 2 sur mon passage. Et que les obstacles étaient à 85 je crois. Du coup voilà, ça s'est super bien déroulé. Après j'avais un petit peu peur parce que
si tu fais pas assez avancer Kaiser, et bah il refuse. Mais là ça s'est super bien passé. En plus il avait on était trois dessus. Voilà. En plus on était trois dessus, donc c'était un peu la cata. Il y avait une fille qui l'a montée en club 3 et une autre fille qui l'a montée en club 2 juste après moi. Donc voilà, tout simplement. Donc j'étais troisième. J'ai été troisième sur 34 participants, je crois. Et du coup, je finis cinquième, je crois. Donc voilà, je suis trop contente pour mon premier club 2, pour mon dernier concours de l'année et mon dernier concours externe. Voilà, donc je finis cinquième, pardon. Donc voilà, je suis trop contente. Donc j'ai remporté du coup une plaque, un flow et j'avais le droit à un cadeau. Par contre les cadeaux ils étaient très très pourris. Mais c'est pas grave. Du coup j'ai gagné un CD pour regarder le cadre noir. Donc ça s'appelle Danse avec le cadre noir ou je sais pas quoi. Du coup là au pire attendez, je vais me mettre ici. Voilà. Donc du coup là ça s'appelle Danse avec le cadre noir. Du coup, voilà, je suis très contente. Voilà. Oh mon dieu, ma tête, ça va pas du tout. Ça m'énerve quand je rentre du cheval, on est dégueu. Donc là, il y a une araignée. Donc, du coup, voilà. Donc, le top briefing, on va dire que c'est super. Donc, voilà. Aussi, désolée pour les vlogs. Mes vlogs, parce que du coup, ma vie, ça n'en fait pas. D'ailleurs, Maëlys n'en fait pas tout simplement parce qu'on a décidé de faire des vlogs juste pour les concours externes. Donc j'espère qu'elle va faire des concours externes l'année prochaine en fait, parce que comme ça je serai pas toute seule. Donc voilà, donc désolée pour les vlogs courts parce que j'ai pas beaucoup le temps de filmer toute la journée, tout simplement parce que j'ai pas l'appareil photo avec moi toute la journée, parce que c'est assez encombrant, etc. Ça se trouve, des fois on doit courir partout, etc. Donc c'est difficile pour moi de filmer, surtout que c'est un petit peu la même chose. On a fait que des allers-retours, on a été voir Kaiser, on a été voir les gens qui étaient dans notre club faire le tour. Parce que du coup il y en avait avant nous. Donc voilà, donc c'est un petit peu le principe de filmer toute la journée pour un vlog, mais malheureusement c'est pas trop ce qu'on fait. Donc voilà, on est vraiment désolé pour ça, enfin ce que je fais on va dire. Donc voilà, j'espère qu'on va se rattraper l'année prochaine. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que, une petite info aussi, que Maëlys et moi on va peut-être pas faire l'allocation ensemble. Tout simplement parce que, enfin voilà, il y a des systèmes on va dire de vacances où elle part en vacances, puis moi je pars en vacances, puis voilà, ça tombe pas dans les mêmes semaines, etc. Et ma mère elle est pas très... cheval on va dire, et du coup elle voulait qu'on reste la semaine justement où je pouvais faire la location. Elle voulait qu'on fasse des choses ensemble, du coup on la fera pas ensemble tout simplement. Je vais la faire toute seule, elle va la faire toute seule de son côté. Du coup voilà, on sait pas si on va filmer des choses ou non, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va faire. Bon, en tout cas voilà, d'ailleurs, non, parce que du coup Maëlys, vu qu'elle, parce qu'en fait elle voulait faire la location juste parce qu'on voulait être ensemble, donc du coup elle ne fait pas du tout de location, elle va passer son galop 3. Donc là j'espère qu'elle va passer son galop 3 parce que du coup elle l'avait raté avant. Mais c'était pas du tout parce qu'elle était nulle, on va dire, c'était juste un problème de poney en fait. Du coup voilà, j'espère qu'elle va l'avoir. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos de la location, c'est-à-dire que moi je vais en faire une et Maëlys non. Donc je pense que moi du coup je vais faire une vidéo dessus parce qu'en fait de base je voulais en faire une toute seule pour dire avec Keras, voilà. Parce que du coup ça va être la dernière fois que je la monte. Carrément, parce que du coup là je voulais vraiment la monter parce que, enfin voilà, de toute façon un an sans la monter c'est impossible et tout. Puis je venais juste de la quitter, donc je voulais la remonter. Mais là du coup ça va être vraiment la fin parce que après je pense que si je refais des locations ce sera avec un cheval et non un poney. Du coup voilà, plein de petites informations. Moi je vais devoir aller manger, donc je vais devoir vite ranger tout ça. Donc moi je vous dis bisous. Hein, voilà, et à une prochaine vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Désolée si la vidéo va être postée jeudi ou vendredi ou un truc comme ça, parce que normalement on essaye de poster le mercredi. Mais voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps de faire les montages, donc j'espère que ce sera pas trop long pour vous d'attendre cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais.
Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous en espérant que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!